Salut à toutes et à tous, les amis, c'est Kero, comment allez-vous? Eh bien moi, vous le voyez, j'ai la pêche aujourd'hui, car ça y est, j'ai enfin récupéré mon PC portable, enfin, ça y est, il a été réparé et tout, donc cet épisode va pouvoir se passer dans de bonnes conditions, voilà. Et donc, vous l'aurez compris, on se retrouve sur le jeu F1 2017 pour la suite du mode carrière, et je crois que c'est le 25e épisode, un truc comme ça. Et oui, ça avance, hein, mine de rien, ça avance, et on approche bientôt de la fin de la première saison de ce mode carrière, voilà, chez As. Donc, à voir la saison prochaine, normalement, on devrait pas tarder à avoir une proposition de contrat. Donc, à voir si on va chez Renault, chez Williams, chez Force India, chez Red Bull. Vous verrez bien ça, les amis. En tout cas, ben, vous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ben, on est parti pour le Grand Prix du Mexique. Voilà, la 18e manche de ce championnat. Et la dernière fois, ben, c'était le Grand Prix des États-Unis où on avait terminé sur le podium à domicile chez As. C'était complètement un podium inattendu. Je m'attendais pas du tout à faire ce podium. Donc, voilà, j'ai profité des pénalités des autres pilotes. Même si moi j'ai une pénalité, voilà, pour changer des pièces et tout. D'ailleurs, il faudra que je revienne à un truc. Vous allez me tuer, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce podium, vraiment, j'ai profité des pénalités des autres pilotes. J'ai profité de Hamilton qui a eu des petits soucis. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Enfin voilà, il avait pas de rythme Hamilton durant la course. Donc voilà, j'en ai profité pour faire ce podium et à domicile et tout. Donc ça fait plaisir. Et donc ouais, vous allez me tuer parce que du coup, ben. J'aurais pu en profiter pour changer la boîte de vitesse parce que voilà, quitte à avoir des pénalités, autant tout changer et puis être clean ben, pour ce Grand Prix du Mexique. Et ben non, là j'ai changé la boîte de vitesse, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'aurai encore des pénalités sur la grille. Donc voilà, au niveau de la boîte de vitesse, vous voyez, j'ai mis une nouvelle boîte de vitesse, donc je vais avoir des places de pénalité sur la grille. Et j'ai profité aussi pour changer l'électronique de commande. Voilà, j'en ai mis 9, même si celui-là était à 47%, j'aurais pu continuer avec. Mais je me suis dit autant faire peau neuve, autant avoir des pièces neuves un petit peu partout. Voilà. Et du coup, ben, il y a comment l'ingénieur R&D qui m'a apporté les améliorations apportées sur la voiture. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. L'usine a envoyé les pièces qui semblaient prometteuses sur le simulateur. On est en train de les installer. Voici le rapport. Donc première amélioration qui n'a pas échoué, voilà, ça a été réussi. Vous voyez, c'est au niveau de la traînée, au niveau de l'aileron avant, donc ça a réduit au maximum la traînée. Donc voilà, vous voyez, amélioration moins 1%, et donc c'est une amélioration 1 sur 6. Donc voilà, c'est le tout début, mais je sais pas si j'améliorerai complètement, voire c'est même impossible de tout améliorer avant la fin de cette saison. Donc voilà, et on va passer tout de suite à la prochaine amélioration qui concerne le MGUK, voilà, l'unité moteur générateur cinétique. Donc c'est par rapport à la longévité, donc voilà, ça va durer plus longtemps. Vous voyez, amélioration de 30%, c'est 2 sur 3, donc plus qu'une amélioration, on aura amélioré à fond cette pièce. Et ça, pareil, je sais pas si je le ferai pour les prochaines améliorations. D'ailleurs, je pense faire les améliorations après le Grand Prix du Mexique, parce qu'après, voilà, il restera plus que deux courses, le Brésil et Abu Dhabi, et puis il y aura l'épreuve au milieu. Donc ouais, je pense que je ferai les améliorations après ce Grand Prix du Mexique. On verra. À part si on a une proposition de contrat, là, je verrai pour la prochaine fois. Bref, allez, on passe tout de suite à la location des gommes. Et les pneus apportés par Pirelli pour ce Grand Prix de Mexico au Mexique sont les ultra tendres en violet, les super tendres en rouge et les tendres en jaune. Voilà. Donc c'est une piste qui use pas tellement les pneus, donc ça devrait le faire. Normalement, un arrêt, ça devrait passer, voilà. Donc en ultra tendre et en super tendre, et à voir aussi s'il ne pleut pas pendant la course. Vous verrez ça. Et donc du coup, on va passer maintenant aux essais libres 1, 2 et 3, et ensuite au programme d'entraînement. Et on commence par les essais libres 1, c'est Vettel qui fait le meilleur temps en super tendre en 1.18.6, et mon coéquipier Magnussen fait le 13e temps en 1.21.3, et moi il faut descendre plus bas. Voilà, vous voyez que je fais le 17e temps en super tendre en 1.21.7, donc je vais pas forcer durant ces essais libres 1. Et on va passer maintenant aux essais libres 2. Cette fois-ci, c'est Bottas qui fait le meilleur temps en ultra tendre en 1.18.1. Magnussen, mon coéquipier, en ultra tendre aussi, fait 1.19.4. Et moi, vous voyez, je fais le 11e temps en super tendre en 1.20.2. Donc là, j'ai un petit peu plus attaqué, mais bon, sans trop forcer non plus. Et du coup, on va passer
aux derniers essais libres, les essais libres 3, où là, j'ai un petit peu plus forcé. Et c'est encore une fois Bottas qui fait le meilleur temps durant ses derniers essais libres en ultra tendre, en une 17.8. Moi, je fais le sixième temps en ultra tendre, en une 19.0. Donc, vous voyez qu'il y a plus d'une seconde d'écart, mais j'ai quand même un petit peu plus attaqué. Et Magnussen, mon coéquipier, fait le neuvième temps en ultra tendre, en 19.6. Voilà. Et du coup, ben, je vais vous montrer le programme d'entraînement, voir si tout s'est bien passé. Et ensuite, on retournera au motorhome, voir comment les objectifs des qualifications. Et ensuite, on passera au qualif et à la course, comme d'habitude. Et vous voyez que ce programme d'entraînement a été imperfect. Voilà, j'ai tout réussi, tout en violet, et ça fait plaisir. Voilà. Et pareil pour les objectifs de l'équipe, tout a été bien réussi. Donc voilà, pas grand chose à vous dire sur ce programme d'entraînement. J'ai tout fait comme il faut. Et du coup, ben, je vous retrouve au motorhome pour entendre les objectifs des qualifications. Alors, il faut terminer 13e ou mieux et devancer Carlos Sainz. Donc, je le rappelle, je vais avoir des places de pénalité encore une nouvelle fois sur la grille. Donc bon, peu importe la place que j'aurai en qualification, je vais devoir reculer de quelques places. Donc, je me fais pas trop de soucis parce que vous le savez, au Mexique, il y a une grande ligne droite, donc il y aura possibilité de prendre beaucoup de places au départ de la course. Donc voilà. Et du coup, ben, on est parti, les amis, pour la Q1 et essayer de passer en Q2 et ensuite en Q3, on verra ça. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur la piste. Les feux devraient bientôt passer au vert pour les qualifications du Grand Prix du Mexique. Voyons voir qui se placera en pole position cet après-midi. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Voilà les amis, je vous retrouve donc pour cette Q1 et j'ai déjà fait deux tentatives. La première tentative, j'ai coupé un virage et la deuxième tentative, je suis sorti un petit peu trop large. Donc voilà, j'ai voulu couper mon effort et donc on est parti pour ce tour chrono. Activation du DRS dans cette grande ligne droite qui fait partie de ces grandes lignes droites du championnat. Bon, je pense pas que ce soit la plus grande. La plus grande reste à Bakou, il me semble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si je dis des bêtises, mais je crois que c'est à Bakou la plus grande ligne droite. Pour l'instant, on a 50 millièmes d'avance. On en perd un petit peu parce qu'on est mal sorti du virage. Deuxième zone de DRS. Là, on va arriver dans des enchaînements de virages. Voilà, il va falloir faire gaffe. Sinon, je voulais dire, au moment où cette vidéo sortira, ça sera ce dimanche, et ben IRL, il y aura le vrai Grand Prix du Mexique. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est marrant, quoi. Ça n'a pas été fait exprès hein, que je sorte cette vidéo en même temps que le Grand Prix du Mexique, parce que ben entre temps il y a eu la pause, voilà mon PC qui était en réparation et tout, du coup ben ça a coupé, ça a mis en pause ce mode carrière, et normalement ben, là la saison 1 devrait être déjà finie s'il n'y avait pas eu la pause. Voilà, et là la plus belle partie du circuit, c'est le stadium, voilà, avec les tribunes et tout en face, c'est vraiment énorme ce passage. Et on va boucler ce tour en 1.19.6. Ok, je vais essayer de refaire un autre tour. Je pense manquer de carburant. En tout cas, on se retrouve au tableau des résultats si tout est bon. Et ça passe, on passe en Q2, les amis. Voilà, j'ai tenté le coup en super tendre. J'ai oublié de le dire durant mon tour qualif. Mais voilà, j'ai fait en super tendre. J'ai tenté le coup parce que je me suis dit, de toute façon, on a des places de pénalité. Donc, autant prendre le risque. Et du coup, ben, après, j'avais pas assez de carburant pour améliorer. Donc voilà. Donc, c'est Vettel qui fait le meilleur temps de cette Q1 en 1.17.2 en ultra tendre. Magnussen, mon coéquipier, fait le 9e temps en ultra tendre en 1.19.0. Et moi, vous allez voir, voilà, le 14e temps en super tendre en 1.19.6. Et donc les éliminés sont Sainz, Van Dorn, Ericsson, Wehrlein et Alonso. Voilà. Et du coup, eh ben, on va passer à la Q2. Voilà, essayer de se qualifier en Q3. Et si on y arrive, ben, durant cette Q2, vous avez l'habitude, les pneus utilisés seront utilisés pour la course. Voilà. Et du coup, ben, je vous retrouve sur la piste donc pour la Q2.
Et voilà, je vous retrouve de nouveau sur la piste pour le début de cette Q2. Donc là, cette fois-ci, en ultra tendre, on ne se pose pas de questions. Et ouais, je vous disais que les pneus utilisés seront utilisés pour la course, à part si avec les places de pénalité, on se retrouve au-delà de la 10e place. Là, on aura des pneus neufs, bien sûr. Et si aussi, ben, durant la course, ça se passe sur le sec, le début de la course, vous verrez ça. Attention à ces premiers virages. DRS, Verstappen qui fait le meilleur temps en 19.1. Mais je vais quand même essayer de faire un seul tour chrono, hein, histoire de préserver les gommes. Sorti un petit peu large là, perd du temps. Attention à l'enchaînement de virages ici. Massa qui reprend le meilleur temps. On a bien coupé là, mais ça m'a pas compté comme virage coupé. Ils ont été assez cléments, les commissaires. Et là, une nouvelle fois dans le stadium. Ah, quel kiff ici. Ocon qui fait le meilleur temps. Et nous, on fait le cinquième temps en 1.18.9. Ok. Ben écoutez, je vais rentrer tranquillou au stand et puis voir si ça passe, voir si je suis obligé de ressortir. On verra ça, les amis. En tout cas, et ben je vous retrouve si tout est bon au tableau des résultats. Ah là 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 là, et non, malheureusement j'échoue à une place de la Q3. Je suis assez dégoûté. Donc je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc vous l'aurez vu, j'aurais fait mon temps en ultra tendre. Donc après je serais rentré au stand mettre un autre train d'ultra tendre, mais malheureusement j'ai coupé des virages et tout, donc du coup mon tour a été annulé. Et voilà, ben du coup ben, j'ai échoué à cette 11e place. Je suis un petit peu dégoûté parce que je pense que j'aurais pu aller chercher Verstappen, mais bon, c'est comme ça, hein, surtout qu'il était qu'à même pas un dixième, donc voilà. Enfin bref, avec les places de pénalité, de toute façon je m'en fous, voilà, je serais parti de toute façon en arrière de la grille. Et donc pour cette Q2, c'est Hamilton qui fait le meilleur temps, 1.17.1 en ultra tendre. Voilà, Raikkonen est le seul à être passé en super tendre, et mon coéquipier lui aussi ne passe pas la Q2. Voilà, il est 14e en 1.19.9. Et du coup ben on se retrouve au motorhome pour voir les objectifs de la course. Et du coup, bah, ensuite, se retrouver sur la grille de départ pour la course et tout, vous avez l'habitude. Allez, c'est parti! Nous voilà donc au motorhome, donc les points de ressources comme d'habitude. Ok, le face-à-face avec Sainz, ça donne quoi? On est toujours en tête, ok. Le niveau de réputation, oh, ouais, c'est Toro Rosso qui est presque à égalité avec Renault. Pour l'instant, Red Bull et Renault à fond. Ok. Ensuite vient Williams. Et ouais, donc pour Williams, je pense que ça va être un petit peu mort pour la proposition de contrat, mais bon, c'est comme ça. Ok. Donc, la boîte vocale. Bonjour. Je voulais vous communiquer les objectifs du team pour la course. Bonne chance. Merci. Donc, terminer la course 13e ou mieux et devancer Carlos Sainz. Ok, ben écoutez, ben tout est bon, donc on va se retrouver sur la grille pour le départ de la course, voilà. Donc je pense avoir fait le tour, de toute façon, ouais, je pense rien avoir oublié à vous dire. Donc ben ouais, on se retrouve donc sur la grille pour voir un petit peu si d'autres pilotes ont reçu des pénalités, voir si combien tièmes on est sur la grille. On va voir tout ça, les amis. Allez, c'est parti. Mexicain en délire, bienvenue sur ce circuit historique, quel plaisir de se retrouver ici. En voyant la passion du Mexique pour la F1, on a du mal à croire que ce pays n'était plus au calendrier pendant si longtemps. C'est fantastique de se retrouver ici. Espérons que la course sera à la hauteur de l'ambiance. C'est un circuit très rapide qui permet d'atteindre des vitesses équivalentes à celles de Monza dans la ligne droite grâce à l'altitude élevée, plus de 2000 mètres. Mais cela signifie aussi que l'appui aérodynamique est moindre dans les virages. C'est donc un circuit exigeant aussi bien pour les pilotes que pour les ingénieurs. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Perez, Ocon,
Daniil Kvyat et Sainz, Van Doorn, Ericsson, Wehrlein et Felipe Massa, Alonso, Raikkonen, Valtteri Bottas et Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, Lance Stroll et Julian Palmer, une Haas et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Waouh, c'est quoi encore toutes ces pénalités là? Vettel qui part derrière moi, moi je pars avant-dernier. C'est du n'importe quoi. Enfin, je m'en doutais avec les pénalités et tout que j'allais partir vers les derniers. Il y a encore plein de pilotes qui ont reçu des pénalités. Et Verstappen, il a vraiment eu du cul, lui. Déjà qu'il évite de peu de pas passer en Q3. En plus, il fait la deuxième place. Enfin, voilà, ce mec, il est chanceux. C'est comme ça. Stratégie de course. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais rester en super tendre, ça me paraît pas mal. Après, voir si on passe en ultra tendre ou en tendre en course, on verra. Mais je pense qu'on mettra les ultra tendres. En tout cas, on va laisser comme ça. Donc, vous voyez, au niveau météo, pas de pluie de prévu. Et au niveau du carburant, on va rajouter. Genre comme ça me paraît pas trop mal. Voilà. Donc, du coup, je vous dis bonne course, les amis. Puis on se retrouve donc à la fin du Grand Prix pour le petit débriefing. Donc voilà, je vais essayer de grappiller quelques places au départ, essayer de pas faire de bêtises et tout. Donc vous verrez ça, les amis. En tout cas, je vous dis à tout de suite et puis profitez bien de cette course.
la consommation de carburant est de plus 1. Thank you.
notre stratégie pour l'instant. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Attention, la voiture de sécurité virtuelle intervient. Réduis ta vitesse et garde un delta positif. Ok, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Garde ton delta positif jusqu'au drapeau vert. L'écart avec notre coéquipier est de 11,9 secondes. Attention. Thank you.
Mars. Rendez-vous au parc fermé. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin ? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. N'a pas été favorable. Et c'est Lewis Hamilton qui remporte la course avec quasi un tour d'avance sur tout le monde. Il aura vraiment maîtrisé cette course. Et donc Verstappen termine deuxième et Bottas troisième, voilà, pour le podium. Et moi, vous voyez que je fais cette huitième place et s'il y en aura eu de la bagarre durant cette course, j'aurais pas eu un moment de répit. Donc ouais, c'était vraiment une belle course. Je pense avoir fait une bonne stratégie. J'aurais pu tenter une stratégie à deux arrêts, partir donc en super tendre et faire deux fois les ultra tendres, mais bon, je sais pas si ça aurait changé grand chose au final. Bon, je termine 8ème dans les points, c'est un bon résultat. Et désolé à Ocon d'avoir fermé la porte dans les derniers tours, mais je pensais pas le voir là, je pensais pas qu'il allait tenter ici. Du coup, ben je l'ai pas vu, et voilà. Donc, ça, je vais fermer la porte. Il est parti un petit peu en couille et tout. Donc, bon, désolé à Ocon, mais au final, ouais, ça aurait été une bonne course. Je me serais bien amusé, voilà. Et donc vous avez le reste du classement avec Magnussen qui a abandonné, voilà. Magnussen et Stroll qui ont abandonné cette course. Il n'y aura pas eu beaucoup d'abandons, que deux abandons, une seule virtuelle safety car en fin de course, mais sinon ouais, ça aura été une course assez tranquille. Il y aura eu la baston et tout, ça aurait été sympa. Au niveau du classement, Vettel donc qui est champion depuis la dernière fois aux États-Unis, donc 333 devant Raikkonen 256, ensuite Bottas 243, etc. Moi je suis 6ème avec 168 points, devant Ricciardo 108, et voilà, vous avez le reste. Magnussen qui est 11ème avec 38 points. Et au niveau des constructeurs, Ferrari toujours premier, je pense qu'ils sont 127 points. Il reste deux courses, ouais, je crois qu'ils sont champions, Ferrari. Donc GG à Ferrari, devant Mercedes 462, Red Bull 3ème 286 et nous 4ème As 206 et Force India 133. Et voilà, vous avez le reste. Et du coup, ben, je vous retrouve au Motorhome, peut-être avec une proposition de contrat. On va voir ça, sinon je ferai les petits changements, les petites améliorations en R&D vite fait, voilà, avant de conclure cet épisode. Donc je vous retrouve au Motorhome. De retour au Motorhome après cette course qui m'aura bien plu. Donc les points de ressources, ouais, donc 1343, donc avec ça je vais essayer de faire des petites améliorations, à moins qu'on ait une proposition de contrat, on va voir. Ouais, les points de ressources, nanani nanana, face à face, on est toujours devant, c'est cool. Niveau de réputation, oh, Williams qui est pas mal. Williams qui est pas mal, et ça serait dommage d'avoir une proposition de contrat maintenant. On va voir, attention, le verdict. Et non, toujours rien. Bon, et ben il faudra attendre sûrement le Brésil ou peut-être la dernière course à Abu Dhabi. On va voir. Du coup, avant de vous laisser, ben on va aller faire les petites améliorations. Donc R&D. Recommander une amélioration, qu'est-ce qu'il me recommande? Au niveau du châssis, ça coûte 1000. Bah écoutez, bah, c'est parti, on va améliorer ça. Donc réduction du plat au niveau du fond plat arrière. Allez, on améliore, ça coûte 1000. Hop, c'est parti. Donc une semaine, on aura ça pour le Brésil, je pense. Attendez, je vais juste aller voir au niveau de l'ordi, progression, R&D. Ouais, c'est pour le Brésil, donc c'est ça. On aura pour le prochain Grand Prix, qui est donc le Brésil, le circuit de Sao Paulo, qui est un circuit que j'aime bien, que j'adore aussi. Et je pense que ça va être sympa. Il va y avoir de la bagarre dessus aussi. On verra ça.
Donc en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos pouces bleus et vos commentaires, les amis. Voilà, à chaque fois, ça me fait plaisir de vous lire, de vous répondre. Donc franchement, n'hésitez pas. Et aussi de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, ainsi que sur mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Voilà. Et donc, on se dit à mardi pour le prochain épisode. Voilà, le Grand Prix du Brésil. Et d'ici là, portez-vous bien, les amis. Allez, salut.